Oui, magistral. D'accord, ça prend la ligne. Début de match entre. Oh oui, super volet réflexe. Et bien joué de la part de Capriati, même si le volume de jeu d'Amélie. Oui, superbe de la part de Amélie Mauresmo. C'est à elle de venir au filet. Avec... Oui, parfait, elle en a pu, elle en a profité après. Elle n'est pas prête pour une première balle de Capriati. Cela dit, les joueurs sont aussi très agacés lorsque leur adversaire prend un temps fou entre oui. chaque service. Les deux extrêmes sont gênantes. Et c'est aussi une tactique pour absolument considérer. Elles attendent le bon moment. 40. Se concentrent plus tard aujourd'hui. Oh oui, ça prend la ligne. Oui, bien servi dans le ventre, bien accéléré de la part sur de la ligne de service de Vondecourt pour retourner. A rongé son frein. Il va être accordé cet ace, ce sera le deuxième. Même si Capriati montre une marque extérieure. Ligne sur les lignes qui sont proches d'eux et de leur champ de vision. Ah voilà, encore un ace, deuxième de suite et encore une contestation de Capriati. On ne veut pas que ça devienne systématique. Elle est bonne. Allez, il faut tenter. Je cours chez Amélie. Ah, le point du set, certainement. Et le plus important aussi, puisque c'était une balle de première. Là, elle est montée. Là, elle a pris l'initiative, Amélie Mauresmo. Oh, la balle qui va vraiment dans tous les sens. Ouais, c'est une vraie bourrasque, là. Et ça sort. Première manche pour Amélie Mauresmo, 6-4. La quatrième occasion a été la bonne. Jennifer Capriati dégoûtée.
par les conditions et par surtout la perte du set. Excellent. On s'aperçoit qu'Amélie Moharesmo, comme c'est écrit sur la prestation du Sanex WTA Tour. Pour les juges de ligne. D'autant plus avec le vent qui peut modifier les trajectoires. Superbe revers. On n'a pas vu beaucoup de missiles. Chance, peut-être un signe du destin. Et oui, un petit peu raté cette volée amortie, mais c'est pas grave. Et elle s'en sort bien, l'américaine. Pression pour Amélie. C'est parfait. Un ace. Oh oui. Oui, tranquillement posé. C'est bien, il n'y a pas eu de... Il faut passer un petit coup d'accélérateur. Allez, oui. Parfait. Oh, c'est quel superbe. Réflexe la... Réflexe hallucinant d'Amélie Moharesmo. Elle était timide la première fois. Concentrée. Oh oui, elle sait que la route est encore longue. Capriati, de nombreuses fois, prouvait qu'elle était capable de revenir. On rappellera pour mémoire simplement la finale de l'Open. On ne sait que trop les renversements de situation possibles en tennis. Et voilà, petite rébellion. Eh oui, ça passe. Belle défense de Capriati, même si Moharesmo a pris l'initiative. Voilà. Le cinquième. Et c'est un ace. C'est fait sur un ace. Un dernier jeu parfait à l'image de son match. Amélie Moharesmo, elle aura complètement contrôlé la numéro 3 mondiale. Pas un petit exploit. Une deuxième victoire de suite sur Capriati après le quart de finale à Wimbledon. Vraiment un triomphe superbe pour la Française. Deuxième titre de l'année après Dubaï et le plus beau très certainement cet Open du Canada, tournoi de première catégorie.